Bonjour à toutes et à tous. Les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Dans vos oreilles, la team Dada, Benjamin Da Silva, c'est moi. Et Omar Da Fonseca, évidemment, c'est Louis. Et si l'on en croit la feuille de match, on va avoir droit à un sacré spectacle. Orlando Pirates contre Portsmouth. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Et voilà les 11 alignés pour cette équipe. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. Connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de là. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. La bonne percée, il faut aller provoquer. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Attention, voilà un bon duel. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Et le but, quelques minutes de jeu, et déjà les filets tremblent. C'est bon pour le spectacle. Et regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. Ah, mal dosé cette ouverture. Le ballon est perdu sur l'intervention. Et la passe est interceptée. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et le face-à-face à venir. Mais quelle occasion énorme d'égaliser, quel gâchis. Qu'est-ce que c'est frustrant hein, de passer à côté d'une belle occasion de se réjouir.
face à l'adversaire, ça c'est pas bon du tout. Voilà une attaque qui progresse bien. Et le ballon change de propriétaire. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Un centre bien détourné par la défense. Même le public là veut une frappe. Allez, devant le but, il faut frapper. Et le réflexe magnifique. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Ah, c'était très dangereux, mais c'est une très bonne intervention. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ballon pour égaliser. Et oui, c'est le but. Voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. On pense qu'être un buteur, c'est courir vite. Mais non, c'est d'abord être toujours au bon endroit quand il le faut. Ça, c'est un but grâce au placement, pas au physique. Et avec ce but, score de parité, un partout. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Le ballon sort, c'est une touche. Bonne intervention, ballon dans les pieds. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Bien parti dans le dos. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ah, le danger est écarté. Voilà une bonne défense. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Attention à la frappe.
Oui, les passes s'enchaînent bien. Ah non, la construction, mais le ballon est perdu. Et il faut venir l'aider, attention. À cette distance, pourquoi pas. Et jolie frappe, mais ce n'est pas cadré. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Et belle passe en profondeur. Et la prise de balle dans la profondeur. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. C'est bien parti pour ce corner. Nouvelle occasion avec ce corner. Le corner. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort aussi net. Arrêt de jeu, et donc l'entraîneur effectue un changement. Intervention défensive, le ballon au corner. Ah voilà, ça va bouger, du changement à venir pour les deux équipes. Un corner qui est bien ajusté dans les bras du gardien, sans difficulté. L'absence d'ambition offensive, ça ne te permet pas d'apporter de la créativité et la précision qu'il te faut dans le dernier geste. On sent déjà beaucoup de frustration à cause de cette situation. Ballon rendu à l'adversaire. Bonne progression dans le camp adverse. Voilà, le gardien s'impose facilement. Oh, la mauvaise relance, attention! Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Tout le monde évidemment part à l'offensive pour tenter de marquer ce but qui serait une délivrance. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Ah, le ballon intéressant. Et quelle parade! Voilà un arrêt décisif qui permet à son équipe de tenir. La profondeur avait été trouvée, mais finalement c'est manqué. Petite combinaison. Et oui, le tir. Le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Bien défendu, mais le ballon revient. Oh, le réflexe sur ce ballon. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Roberts.
et le face-à-face à venir. Ah, le plus dur semblait fait dans ce duel. Pas évident, le côté émotionnel pour marquer, c'est toujours délicat. Arrêt de jeu et deux remplacements d'un coup. Posséder du ballon à la régulière. De la place sur l'aile. Bonne percée, balle au pied. 3 minutes minimum ajoutées par l'arbitre. Mais non, ce ballon est perdu. Soyons clairs, l'équipe qui marque maintenant a de grandes chances de l'emporter. Fin du temps réglementaire et pas de vainqueur à l'issue des 90 minutes.